Et donc je suis dans ce décor paradisiaque de la capitale française où je retrouve un fan du Japon qu'on croise comme ça, vite fait par hasard, là devant le Louvre. Ichiban Japan. Bonjour. On est ici, Jardin des Tuileries, Arc de Triomphe du Carousel, Musée du Louvre. C'est très 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 lourd, moi j'adore cet endroit-là. Toi tu es parisien pur souche, enfin, ou de la du Grand Paris, du très grand Paris. Un banlieusard, donc je suis pas parisien pur souche, mais j'adore Paris. Et là c'est magnifique, là tu vas voir l'axe historique parisien, tu sais, où t'as sur la même ligne, t'as le Louvre, t'as l'Arc de Triomphe du Carrousel, t'as la place de la Concorde avec l'obélix de Louxor, et t'as les Champs-Elysées, la Défense. Et là on voit la Tour Eiffel, ce qui fait rêver tous les Japonais dans les films, quoi, c'est ça. Ouais, c'est du lourd. Hein. Non mais si, c'est on clair. On s'en rend pas compte, Paris, c'est sûr, regarde, il y a même des pigeons blancs comme ça. Mouette, ouais. Ouais, mais alors il est comment ce melon de panne de Aki Boulangerie? Ça va, tranquillement. Ça va. T'en avais déjà pris? Ouais. Et toi? Regarde, tu vas me faire ton papier là. Tu veux m'aider la caméra? Ouais, c'est. Vous êtes apparent. Pas un melon de panne, quoi. C'est meilleur que ceux du Combini, hein, donc. C'est sûr. Bah, ils sont croustillants comme. Tu vas pas faire une vidéo? Tu fais des vidéos sur les Combini? Tu vas pas faire une vidéo sur le melon de panne du Combini? Non, parce que j'en prends pas en fait. Même quand j'ai faim, j'en prends pas tellement c'est. Tellement c'est pas croustillant, quoi. Tu préfères les family chicken de merde des familles. Voilà, si t'aimes pas le poulet, je sais pas ce que t'aimes dans la vie. Mais j'adore le poulet, au contraire, j'adore le poulet. Mais celui de. Au Japon, le poulet est souvent dégueulasse. Sauf à certains endroits, justement. Dans le nord, il est bon. T'es pas très caragué alors quand tu vas. Bah, en fait, le seul que je valide, je vais te dire, les trucs des combinés, le seul que je valide, c'est. Lawson Kalage Legula. Kalage régulier, c'est quand même un peu des nuggets, c'est un mélange de nuggets kalage à Lawson, et ceux-là sont très bons. Franchement, c'est quasiment la même que le Family Chicken en moins de juicy, non? Non. Ça s'appelle Kalage Kin. Et c'est un petit, c'est tout bon. Alors que non, c'est vraiment les familles des marques, ça c'est dégueulasse. Pour moi, c'est vraiment le meilleur truc, le Family Chicken. Enfin, c'est le meilleur truc, c'est le. Le truc, tu mets un croc, t'as de l'huile partout dans la gueule. Mais justement, c'est ça. Oh bah. Et il a un peu du goût quand contrairement justement, j'adore manger du caca et m'en mettre plein dans la tête. Bah oui, un peu comme tu lâche un peu quand ça coule. Et celui-là du 7-Eleven, il a moins le goût, tu vois, c'est comme aller au KFC un poulet random, là il y a la recette aux 11 épices du Colonel, tu vois, là t'as les épices du Family Mart, quoi. Oh non mais sérieux, celui du Lawson. Est-ce qu'il y a quand même d'autres trucs que tu valides au Combini? J'ai entendu parler d'un truc, il y a une légende. Sur un certain truc. On m'a parlé d'un chocostick. On m'a dit les légendaires chocosticks. El legendarios chocosticos. On m'en a parlé, on m'en a dit tellement de bien. Il y a un mec à Osaka notamment qui s'y connaît, qui est dans le milieu du tatouage, etc. Et qui s'y connaît, qui fait des très bons articles en plus, qu'un blog avec des super articles. Photo assez original. Voilà, un mec comme ça qui traîne un peu à Osaka. Et ce mec-là, il y a une légende qui dit que le mec, il a tout le temps des chocostiques partout dans les poches sur lui. Et il se ramène tout le temps avec des chocostiques et à chaque fois que tu le vois, il est tout le temps en train d'en manger un. Et voilà, j'aimerais bien, ça m'a donné envie, donc j'aimerais bien y goûter. Ça, quand même. Si un jour tu valides le chocostique et tu refuses le poulet, moi je comprends plus, quoi. Qu'est-ce que tu manges si t'es ni dans les combinis et que tu fais pas des restos? Il y a quand même, c'est quoi ta bouffe quotidienne? Alors j'ai pas un gros appétit, je suis quelqu'un qui mange très peu. Mon ventre va peut-être moins aimer dans quelques heures. Non. Osaka 48 heures de bouffe. Je bouffe de tout. J'aime beaucoup les alu, udon, soba. C'est donc les nouilles froides. J'adore. J'aime bien le bœuf, j'aime bien le poulet. J'adore le poulet, mais au Japon c'est pas forcément évident de trouver du bon poulet. Mais quand il est bon, j'adore. Donc j'adore les oyakodon, katsudon, le curry, j'aime tout, les ramen. Et tu vas un peu dans les chaînes, dans les petits boui-boui, un peu tout, ça dépend où tu es, c'est ça? Voilà, tu pas trop les chaînes. La chaîne que j'aime bien, il y a Nakaou qui est pas mal. Qui est bien. Ah ouais. Après les autres, Yoshinoya, etc., je trouve que je l'aime pas. C'est de la merde. Et pourquoi t'as fait une vidéo dessus? Non, mais tu. Merde. Sukiya et leur gudon aux trois fromages, c'était un peu une découverte de cette année. Ah bah. Enfin,
Après, je suis pas fan perso. Après, non, alors mes petites douceurs préférées, on va dire. Les trucs que quand je vois sur le menu, je me sens obligé de commander. Même si, tu vois, tu sais, il y a des mecs qui sont là, ils vont dans un resto, le même resto, tout le temps. Et tu sais, ils mettent 15 ans à choisir leur truc et en fait, ils prennent la même chose à chaque fois. Et bah, moi, je suis un peu comme ça. Tout le temps, tu sais, je vais mettre 15 ans à choisir et au final, je vais prendre les mêmes choses. Ça va être quoi? Ça va être des tsukune. Ouais. Donc, les brochettes ouais, tsukune. Tamagoyaki. Du tamagoyaki, quand j'en vois, je prends direct. Donc, c'est l'omelette japonaise. Un peu, ça fait un peu dessert, un peu sucré. Hein, ça dépend, t'as plusieurs versions. T'as la version sucrée, t'as la version salée. Tu trembles là, il fait froid. Je tremble, je me rends compte, putain. Et Paris est magnifique, mais. Et attends, donc tamagoyaki, tsukune. Et. Ouais, des soba, les alu soba aussi, c'est ma petite faiblesse. Mais ça change à chaque fois. Par exemple, au début, mes premiers voyages au Japon, à chaque fois que je voyais des cascalets, je prenais. Deuxième voyage, j'ai fait genre une fois tous les deux jours, sans exagérer, une fois tous les deux jours du cascalet. Bah, c'est nourrissant aussi. Et... ouais, mais après, en fait, ça m'a un peu dégoûté. Jusqu'au moment de l'aéroport, à l'aéroport, j'ai encore bouffé du cascalet. Et après, quand je suis revenu, bah, j'ai arrêté d'en manger. D'accord. Et aujourd'hui, t'as bouffé quoi à midi? Du cascalet. C'est vrai. Donc, ouais. Bah, c'était ma petite madeleine de Proust. Voilà. Et ton choix un peu de restaurant, tu rentres quand t'as faim, tu rentres dans le premier truc ou alors t'es un peu là, t'hésites, machin, comment ça se passe un peu? Je sais pas, la dernière fois j'hésitais un petit peu et puis je suis entré dans un resto, c'était un resto de bœuf de Kobe, 160€ le menu. Bon, je me suis dit, bon, allez, je vais rentrer. Il paraît qu'il y a une vidéo et là-dessus, c'est le mec qui se gave devant nous comme ça, là, en train de baver à moitié. T'sais. Non, mais en fait, ouais, c'est quand j'ai faim, je vais dans un resto quoi. Mmh. Et j'aime bien, c'est l'ambiance que je vais regarder quand je vois une bonne ambiance. Et ouais, surtout, une dernière chose, c'est s'il y a une personne qui fait un pas vers moi, je vais venir direct. Exemple, un japonais qui est là, qui nous dit ah, viens, mais pas forcément rabatteur, je parle pas des rabatteurs, mais quelqu'un, ça m'est déjà arrivé par un exemple concret. À Hokkaido, la dernière fois, je me balade et tout, et puis là, il y a un mec qui sort de son petit bar, et il est tout seul, hein, il y avait personne, et puis il me regarde, et moi je te prends une petite photo. Et donc après, il se pousse de la photo, et puis il me dit ah, vas-y, donc, je prends la photo, après il me regarde, et puis il me fait des petits signes, genre comme ça et tout. Je me dis bon bah c'est un petit signe, ça veut dire que voilà il va vers moi, donc moi je vais faire le pas pour aller vers lui. Et donc je suis rentré dans son truc et j'ai passé un super moment. Et vous avez trippé, vous avez discuté hein, non, c'est fait chier. Non, oui, c'était cool. Surtout rentrez pas dans les bars. Non, mais voilà, il y a ça aussi. Souvent, on fait des petits pas vers nous, des petits signes en fait. Et puis il faut juste les prendre quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord. Enfin, je fais dans une certaine proportion, mais non, mais c'est toujours voilà, c'est quand même intéressant de découvrir des endroits. Ça m'arrive moi d'aller souvent dans des chaînes parce que j'ai la flemme machin et que c'est pas cher surtout et je sais le prix voilà. Mais effectivement quand t'as la motive ou qu'on te propose un peu, qu'on t'invite d'une certaine façon. Non, quoi. Les chaînes c'est ce que j'essaie d'éviter. Hein. Non pas que les chaînes c'est pas bien, mais j'aime bien trouver des restos un peu particuliers, des trucs un peu qu'on peut pas trouver ailleurs en fait tout simplement. Pour vivre une expérience un peu différente. Une ambiance différente, mais c'est sûr que la chaîne ça sera toujours la même chose et tu auras zéro forcément contact. Forcément plus, hein, parce que peut-être qu'il y a certains endroits où c'est différent. Ouais, souvent quand même, enfin, genre, si tu vas dans Yoshinoya, tu vas rarement triver pendant des heures avec le truc, avec le chinois étudiant qui est en train de travailler. C'est sûr. Ça peut arriver, mais moins de chance quoi. Toujours avec Chiban Japan, et pourquoi tu t'appelles Chiban Japan? Et bah en fait, je vais trouver le pire nom possible, le truc tout pourri. Et bah je pense que j'ai trouvé parce que c'est pas mal, hein, franchement. Chiban Japan, bon, Jeremy Japan, c'est pas ouf, mais Chiban Japan, c'est encore pire. Mais justement, je me suis dit j'avais pensé qu'on allait créer une petite complicité avec ça parce que c'est quand même. Mais en vrai, l'histoire, si je devais romancer un peu le truc, hein, la jouer un peu branlette. Tu voulais être numéro 1 quoi. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. En fait, c'est Chiban, c'est le tout premier mot que j'ai appris en japonais. Avant de savoir dire quoi que ce soit, même je m'appelle Gigi ou n'importe quoi, je savais dire Ichiban. Parce que, alors une anecdote, il y a très longtemps, quand j'étais au collège, j'avais un site, j'aimais bien faire du webmastering, donc je créais des sites, etc. J'avais créé un site sur One Piece. J'adore One Piece. C'était le premier site, mais je peux m'en targuer, hein, c'était le tout premier site francophone sur One Piece à avoir une galerie hentai. Uniquement dédié à One Piece. J'avais 14 ans, j'avais même fait un truc. Avertissement, avertissement, je certifie sur l'honneur à avoir plus. Mais c'était une vieille page HTML qui se faisait à contourner, en plus c'était trop de la merde. Avec un front un peu dégueulasse et la police de machin ou quoi? Ouais, non, enfin, et donc voilà, j'avais mis une galerie hentai, etc. Ça avait ramené du monde. Et ce site là s'appelait Ichiban-fr.net.
.net. Il y avait .com aussi. Il y a tellement d'extensions dont on peut. Non, il y avait .net et j'avais pris le .com aussi pour un moment, mais après il avait sauté. Et voilà, et en fait c'est un mot que j'aimais bien, c'était le tout premier que j'ai appris, donc je sais pas, quand j'ai voulu le replacer encore. Ça te rappelle tes premiers émois sur les hentai de Nami, et c'est ça un petit peu. Et, enfoiré. Et en fait, le mot Japan, et c'est parce que pour la sonorité tout simplement, Ichiban, Japan. Ah oui. Mais en fait c'est dégueulasse, si je pouvais le refaire, peut-être que je le referais, hein, mais bon. Après c'est facile à retenir et puis on dit Ichiban et puis voilà. Ça va, maintenant on te connaît un peu, ça va encore, mais du coup tu penses quoi? Parce que moi j'ai un nom de merde et que j'ai choisi l'origine du créer ma chaîne pour certains trucs et du coup c'était anglophone, je sous-titrais même quelques vidéos en anglais, donc je voulais mettre du Japan et parce que, faut savoir que le mec est multilingue. Hein. Exactement, je parle. C'est quand même Jérémy Meets Japan. Hein, il a pas oublié l'ES, hein. Attention. Oui c'est ça. D'ailleurs je peux te dire que quand j'explique le nom à des Japonais ou même à des Français, t'es là, Meet, machin, comment c'est horrible. Enfin, si je pouvais le changer, je changerais tout de suite. Et tu penses quoi de toute la vague si t'avais envie de faire une nouvelle chaîne là, et que t'étais à nouveau dans le. Ouais. On peut pas dire le YouTube game, mais qui a envie de faire un truc sur le Japon. Est-ce que tu mettrais le nom Japon ou Japan dedans, tu vois? Ou tu ferais pitié comme nous, émission Japon par exemple? Ouais, non, je sais pas. À voir. Je sais pas comment j'appellerais ça. Ce serait pas un truc genre les voyages de Gigi ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, je sais absolument pas, et tant mieux en fait. Hein. C'est bien que j'ai un. Tant pis, il est pourri, mais il est comme ça, et au moins maintenant, je change pas. Hein. Yo! Alors là, c'est les courses d'Ichiban Japan, je suis pas sûr que vous avez souvent vu ça. Ni dans un combini. C'est pas mes courses normales. Alors, je suis pas le mec qui bouffe tout le temps, qui vit Japon, il bouffe du Japon. T'as un tatami ambulant qui est en train de se balader. Non, mais c'est juste que ce week-end, il y a un petit festival, je vais à Draguignan. Ouais. Alors ça sera passé, hein. Déjà le festival est passé, vous ne pourrez pas le voir. Mais... Et donc je vais prendre des petits cadeaux à offrir parce que je fais des jeux, je peux offrir des cadeaux, il régale. Et donc voilà, et j'en prends aussi pour Pandrez. Hey, salut la compagnie, c'est Pandrez. C'est parce que c'est lui, il m'a dit ouais, je dois faire gagner des cadeaux dans mon truc et tout, tu peux m'en prendre, donc j'en prends pour nous deux, on va aller faire des petites conneries, des petits coups. Tu cherches un peu des bons, enfin des bons. Ça c'est très bien. Enfin, du Milky. Attends, c'est combien aussi. Le process de choix c'est aussi important, c'est de regarder la petite étiquette, des trucs comme ça. Des Poki un peu doux comme ça. C'est 1,50€, c'est le principal. Ah oui. Ouais, c'est des cadeaux de qualité. Quoique, en fait, l'avantage de prendre un truc comme ça, c'est que ça, j'ouvre le truc et en fait, je fais gagner comme un crevard chaque petit carte. Même chaque barre de quittage, j'ai coupé en deux. Est-ce que tu mets même un coup de croque déjà pour goûter déjà pour voir s'il est bon avant de le refiler à tes. Aux gens qui viennent te voir. Voilà, des petits trucs Pokémon, des petites conneries en fait. C'est juste pour le plaisir, pour le geste en fait, tout simplement. Je les vends pas, hein. Enfin, les. Je les donne, hein, des trucs là. Donc c'est histoire de voilà pour rigoler, on prend les petits trucs. Bon, je regarde. Ah t'as pas mal de choses. Ok, un petit souci dans le magasin, je sais pas, voilà. Je suis pas trop pu continuer. C'est Paris la folle quoi. Mais non ouais, tu t'es fait embarrer, j'aurais pas aimé moi comment t'as parlé. Ouais. Franchement, si ça a été moi, j'aurais pas laissé passer ça. Est-ce que tu peux imiter un peu la voix sur le ton lequel elle m'a dit ça genre. Non t'es un bâtard, j'ai pas imité, elle avait un accent. Hein. Non mais t'as juste dit hey, monsieur. Ouais, voilà. Et elle t'a montré le truc, faut pas filmer ici. Avec un peu cette. Voilà. Et après t'as fait comme ça. C'est ça, bien. Après quand t'es parti, t'as fait des doigts et tout. Alors finalement tu t'es retrouvé avec quel butin là pour ta petite convention? C'est rose, c'est kawaii, c'est beau, c'est tout ce qu'il me faut en fait. Hein. C'est le Japon pop que tu représentes cette fois. Ouais non mais les cadeaux pour moi c'est surtout c'est moins de 2€ chaque truc. Et puis voilà quoi, ça te fera plaisir, c'est juste pour le. Pour la symbolique en fait, de faire gagner des cadeaux quoi. Là donc on est rue Sainte-Anne, donc le fameux quartier japonais de Paris. Tu viens souvent un peu bouffer ici ou? Bah ouais, ça, chaque fois que quelqu'un veut bouffer avec moi, il veut bouffer ici. Mais même moi ça me fait plaisir, hein, c'est cool. Mais ouais non, j'y viens quand même assez souvent parce que c'est cool, en plus il y a le Louvre à côté, il y a l'Opéra, et puis il y a plein de choses pas très loin. C'est sympa. T'as un resto, t'as un ou deux restos que t'as pas encore mis dans tes épisodes et que tu voulais. Bien sûr, oui, j'ai filmé aucun resto ici. Hein. Ouais. Mais des restos que j'aime bien, oui, il y en a plein, ça dépend des spécialités que vous voulez bouffer. Parce qu'on peut trouver un peu de tout au niveau bouffe jap ou voilà. Vous pouvez manger des lamen à Naitake, à Hapatei. Ah non, je suis con, à Hakata Choten. Hapatei, c'est les okonomiyaki, takoyaki. Vous pouvez bouffer
Même des sushis, il y en a pas très loin là, qui fait que des sushis, mais des bons, tu vois. Il y a des soba, il y a vraiment de tout. Toute la bouffe qu'on peut trouver assez facilement au Japon aussi. Voilà, bon, après, bien sûr, il y a des choses qui manquent, évidemment, mais c'est quand même pas mal. On a une bonne, un bon choix. On a la chance d'avoir ce choix-là ici. C'est, on n'est pas obligé de se taper des chinois poney. Il y a un peu partout, payer 13 balles, 15 balles le menu. Voilà. Exactement, voilà. C'est pas tous les Strasbourgeois. Non, il y a des bons restos à Strasbourg, j'en avais fait un. Un resto japonais à Strasbourg. Ah, t'es allé auquel? Je sais plus. Tu te souviens? Mais qu'est-ce que t'avais mangé? Takoyaki, okonomiyaki. D'accord. C'était quand ça? T'y étais il y a longtemps? L'année dernière. Takoyaki, okonomiyaki, qui on fait? Bonne question. Le mec, il connaît pas bien ça. C'est vrai, j'en suis sûr, oui, c'est sûr, même. Je me rappelle, j'avais bouffé là-bas. Strasbourg, c'est la Vega Cathédrale, en fait. Non, bah, merci. Non, mais non, si, c'est sûr, je m'en rappelle. Si, c'est sûr, et c'était même avec Alex et Delphine de Iseki Nitsu. D'accord, je leur demanderai alors. Est-ce que tu reviendras à Strasbourg? C'est pas prévu pour l'instant, mais. Non, mais avec plaisir, c'était cool, hein. Voilà. C'était très sympa, la cathédrale, très jolie. Pandrez, il l'avait adoré aussi. Hey, salut la compagnie, c'est Pandrez. Il m'avait dit, ouais, Strasbourg, ça fait partie des moments, enfin des conventions, des endroits de conventions où on allait qui étaient vraiment les plus beaux. C'est très cool. Bah, on est invité Ichiban Japan et Pandrez. S'il y a une convention. Faites là-bas aussi, dans les petits bars très sympas. Ah bah, ça fait plaisir que t'aies aimé. Ah non, mais c'était excellent. Cool. Là, on vient de trouver encore un meilleur décor, le parking des pyramides. Là, qui... là où il y a la protection civile. Et tout. Non, c'est pas mal du tout comme endroit. C'est le pari où il n'y a pas de tour Eiffel derrière. Tu vois. On sait que tu mets pas mal de musique, qu'il y a Pandrez qui compose pour toi. Hey, salut la compagnie, c'est Pandrez. Sur les épisodes et tout, est-ce que c'est les choses que tu écoutes régulièrement déjà ou il y a beaucoup d'autres choses hein, Pandrez, non, je les mets juste dans mes vidéos, mais j'écoute pas. Hein. C'est, franchement, c'est un peu de la merde, ouais. Non, bien sûr, le style de musique que je peux mettre dans mes vidéos, c'est le style de musique que j'écoute en fait, qui me ressemble et que j'aime, qui me correspond. Après, j'écoute un peu de tout. Et il y a aussi, donc il y a Pandrez sur les épisodes, il y a aussi la team Olikami, les gars du label franco-japonais Olikami, qui sont là sur les Short Stories, que je mets sur les Short Stories, avec des artistes de fou, genre Nimano, 97, 97 Special, et Cookie Monster Galaxy et Patin Clair. Et donc voilà, ces mecs-là, ils font des très très lourds. Pandrez aussi, très lourd. Ils se complètent bien en plus, et c'est exactement le style de musique que j'aime bien. Voilà, j'écoute beaucoup de hip-hop, jazzy, de lofi, de trucs un peu calme, mais hip-hop en même temps, et c'est ce qui me correspond en fait. Mais après j'écoute de tout, je vais écouter aussi du bon rap français, je vais écouter du rap US, je vais écouter du rock, je vais écouter du jazz, de la soul, voilà, j'écoute de tout. Après, j-pop, etc., c'est pas trop mon délire. En vrai, c'est pas trop mon délire. Je comprends que certains aiment bien, hein, y a pas de soucis, mais voilà, moi c'est pas le genre de truc que j'écoute. Il y a Yakushima, quand j'étais allé, j'ai mis une musique, tu vois, au montage. Et en fait, cette musique-là, je l'écoutais déjà quand je faisais la randonnée, tu vois, j'ai fait la randonnée jusqu'en haut. En fait, il y avait un moment où j'étais tout seul et tout, et puis j'avais plus trop la force. Je me suis dit, allez, je vais mettre un peu de son et tout. Donc, je me suis mis du son. Non, c'était même pas avec les écouteurs, c'est avec mon téléphone. Il n'y avait personne. J'ai mis un peu de son sur mon téléphone. Et c'était la même musique que j'ai mise ensuite, après, tu vois. C'était au même moment. C'est à cause de ce genre de trucs que t'as envie de faire des épisodes sur la nostalgie dont t'as parlé un peu, c'est genre des moments un peu forts quoi, quand tu remets la musique que t'entendais, tu retournes vraiment dans l'ambiance quoi, non? C'est ça, mais en fait il y a d'autres choses encore, c'est ça qui est intéressant avec la musique, c'est que il y a des moments que je vais vivre, et à ce moment-là la musique soit je la connais pas, soit je l'écoute pas, etc. Et ensuite quand je vais faire la vidéo, je vais mettre cette musique-là, une musique, voilà, peu importe laquelle, une musique. Et ensuite quand je vais réécouter cette musique, ça va me faire penser à ce moment-là, alors que de base, à ce moment-là, j'écoutais pas encore cette musique, je la connaissais pas, etc. Mais il va y avoir une corrélation qui va se faire. Et ça va me rendre nostalgique cette musique-là. Alors qu'au moment-là, à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu... C'est un peu incepté, hein, inception dans la musique. Non, mais c'est les... sympa, et c'est, ouais. C'est le pouvoir de la musique. Et oui, il y a un concept sur nostalgique qui va arriver. J'ai déjà tourné une vidéo, je vais en tourner d'autres après, hein, mais j'en ai déjà fait une, qui va être sympa. Et en fait, voilà, avec de la bonne musique aussi, de la musique bien chill, etc. Non, ça va. C'est un concept qui me tenait beaucoup à cœur. Alors après, on peut se dire, mais pourquoi refaire les mêmes choses, etc. Remontrer la même chose si tu l'as déjà montré. Sauf que c'est jamais la même chose. Hein. Donc, retourner deux fois au même endroit, ce sera jamais pareil. Bah, on a hâte de voir comment tu vas présenter ça. Ichiban Japan, la qualité avant tout. C'est ça. C'est quand même. Ça va s'appeler Flashback.
Le nom un peu branlette, mais flashback, voilà. Flashback, d'accord. Il y aura donc des flashbacks, quoi. C'est... Même pas en plus. Mais peut-être, je vais voir. Je pense pas. Putain. D'accord. À voir. Ben, on a déjà le nom, je sais pas, peut-être pas en exclusivité, mais on a le, on a le nom. On a le nom de la future émission. Écoute, on attend ça avec impatience. Ça s'appellera Guigui meets flashback. Exactement. Japan meets Franchement, flashback. Je pense que quand tu mets meets, t'as vraiment un des meilleurs noms. Tu rajoutes Japan dedans et franchement, c'est original. Ça fait tout de suite plus classe, tu vois. Ouais. Franchement. Bah on est anglophone, on est pas quoi, enfin, je veux dire, on est fou, voilà. Écoute, merci Guigui, merci Ichiban, merci Japan. Merci à toi, Jérémy Mitz Japan. C'était à chaque fois c'est une vague de regrets, tu prends 10% non, de plus en regret. Non, ça passe. Oui, ça passe, moi aussi je pense que ça passe. Bon, ça. Après t'as pas un nombre en lettres comme Horizon du Japon, tu vois, avec un S en plus, toi, pour montrer que ah, le mec il fait tous les horizons, il en fait plein, tu vois, il s'arrête pas à un seul truc. Ouais. Voilà, toi, ça, c'est pas un nombre en lettres, c'est pas ça, grave. Hein. Ça s'arrête pas juste dans Osaka, quoi. Voilà. On n'a pas tous un nom qui inspire le respect comme lui, hein. Angelo, voilà, le mec, il est tellement respect. Il inspire tellement le respect que même son nom, tu vois, il dit juste Horizon du Japon avec un S en plus, direct, ça parle, tu vois, direct, tu es là, ouais, c'est lourd. Tu pourras même mettre un S à Angelo, en fait. Voilà. Alors que toi, t'as voulu mettre un S aussi, tu vois, Jérémy Mitz Japan, t'as mis un S, mais ça, c'est pas pareil. Parce que mon envie de respecter la grammaire, voilà, ça, c'était pas un choix marketing très judicieux, quoi. Alors que Ichiban, numéro 1, quoi. Non, mais en plus, Ichiban Japan, ça veut rien dire. Premier Japon. Non, parce qu'à la limite, c'est ni Rome ni Ichiban, tu vois. Mais là, c'est complètement débile. Je mets ces petits moments de... Non, mais c'est vrai, faut le dire. Mais la sonorité est sympa. Que tu penses être comme dans tes vidéos, toi? Ça, c'est intéressant. C'est une question qui... Attends, la gueule. T'as la nana du Kmart, elle aurait pas laissé passer ça. Hein. C'est une question intéressante parce que en vrai, ça veut tout et rien dire. Tu m'as mystifié. Non, là, non, c'est pas ça. Non, mais n'importe quoi, c'est pas dans ce sens-là. C'est que je peux très bien être, ça se trouve, genre dans les vidéos, peut-être j'ai un mec sympa, tu vois. Attends, juste un truc. Vous savez pas qu'il y avait des Takubin, les Yamato Transport avec le Coroneco. Je savais pas que... Je crois pas qu'on ait ça à Strasbourg, bref. Par contre, tu m'en coupes plus jamais la parole. Non mais, plus jamais. Il est moins sympa que sur les vidéos. Non, mais par contre, voilà, c'est intéressant parce que, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux très bien être sympa, avoir l'air sympa dans les vidéos, tu vois, mais en même temps, c'est logique. Je vais pas faire un truc, je vais pas dans une vidéo faire le gros connard. Et si jamais je suis un gros connard dans une vidéo, au montage, je vais quand même le couper, tu vois, je vais faire exprès, tu vois, c'est normal. Donc forcément, on voit une image positive. Après, en vrai, on n'est pas tout le temps positif. Forcément, il y a des moments où je vais m'énerver, où je vais conduire, et puis le mec, il fait de la merde ou il avance pas, ou même moi, je peux être un connard quand je conduis, et puis j'ai enculé, tu vois, et alors, je peux très bien te croiser. On se croise. Et je suis énervé parce qu'il m'est arrivé un sale truc et tout. Et puis là, on va se croiser. Et je vais dire, ouais, ah, c'est toi, Jérémy, quoi, hein, Miss Japan. Vas-y, va miter quelqu'un ailleurs, là. Vas-y. Et tu vois, des trucs comme ça. Enfin, ça peut n'importe quoi. Et ça veut tout et rien dire. Et donc, ça dépend. C'est une question de moment, d'ambiance et de plein de choses. Mais tu ne surjoues pas un personnage d'après toi. Moi, si tu te demandes la question directement. Mais bah, en vrai. Dans mes vidéos, j'ai toujours un ton monotone, tu vois, je suis là, bon bah voilà, là je fais ça, tu vois. Donc c'est difficile de surjouer, de faire un son comme ça. Après forcément, je montre des choses positives, et forcément ça me met en avant, que je le veuille ou non, mais je cherche aussi un petit peu, puisque je vais faire un montage qui va me mettre en avant. C'est pareil pour tout le monde, toi aussi. Oui, bah oui, en général, quand je me suis embrouillé que j'ai de la merde, je peux dire que vous voyez pas. Après, des fois, je suis dans des déguisements bizarres, je sais pas si ça me met en avant, par contre. Host. Mais c'est rigolo. Donc voilà, mais ça veut tout et rien dire, hein. Sympa ou non, ça dépend des personnes. Tu peux accrocher avec certaines personnes et d'autres. Ça c'est vrai aussi, tu peux en général. Moi les rencontres en général elles se passent plutôt bien, mais c'est vrai qu'après tu peux avoir juste que ça soit sympa et puis bon bah on se reverra pas forcément parce qu'il n'y a pas de. Et je pense que ça n'existe pas quelqu'un de sympa en général. Il y a forcément des moments où il est pas sympa avec quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui est un connard, il y a forcément des moments où il est sympa. Voilà, même le pire des tyrans, quand il se retrouve face à un petit bébé. De sa famille ou un truc comme ça, il va être tout gentil. Oui. Voilà. On l'espère. Après, pour avec lui 80, au moins. 99% des autres personnes, il va être un gros connard. Mais non, voilà, tout est une question de plein de choses. Le seul mec que je connaisse qui est vraiment, vraiment, c'est un mec en or qui est adorable, tu sais ce que je vais dire, et qui est très respectable. Hein? Dis-moi, c'est qui? Là, je vois. Non, mais tu vois pas? Non. Le mec le plus respectable, qui inspire le plus le respect. Moi, je te parle pas de. On s'en fout des YouTube, des machins, blogs, machin. Je te parle d'homme à homme. Ce mec, cet homme,
il inspire le respect et il est toujours sympa, il est toujours fou, tu apprends des tas de choses avec lui. Hein. Il te fait voir de nombreux horizons. Hein, c'est qui? Dis-moi. Je veux t'entendre le dire. Je crois que si on traduit son nom, ça veut dire ange déjà. Tu vois, le mec, rien que son nom, c'est même pas lui qui l'a choisi. Mais ça veut tout dire déjà. C'est-à-dire que sa naissance, on savait déjà que le mec, c'était un ange. Donc voilà, Angelo. On avait vu une photo d'ailleurs un jour, on avait vu une photo de toi où tu avais dit que tu le respectais vraiment. Donc là tu le vannes, mais tu le respectes toujours encore ou ça finalement s'est passé avec le temps? Maintenant que tu connais le Japon, tu le respectes toujours encore. T'as un peu arrêté de le respecter. Alors, je le respecte plus là. Non, mais bien sûr, là je dis ça en étant second degré, etc. Mais en vrai, je le respecte. Justement, il y a de la vérité dans ce que je dis en fait, c'est une blague. Mais c'est du vrai aussi en même temps, c'est que je respecte énormément, mais c'est pas le seul. Ouais. Il y en a d'autres que je respecte beaucoup. Bon, les mecs qui ont un blaze Mits Majapan dans leur nom, c'est plus difficile de les respecter, tu vois, mais bon, ça peut quand même se respecter. C'est parce que tu parles pas bien anglais, ça se pense. Mais non, oui, il y a plein de gens que je respecte. Je vais pas commencer à citer, parce que sinon il y aura trop. Je cite juste le meilleur. Alors, je fais ma promo, regardez ma vidéo d'interview d'Angelo. Voilà, d'ailleurs, on voit cool. Que c'est sa connaissance. C'est la merveille de ta chaîne. Il y a Angelo dedans. Non, mais pour le coup, tu peux appeler cette vidéo-là Ode à Angelo. Déclaration d'amour à Angelo. Angelo, quoi. Ah, pas mal. Ouais, je suis un gros gars des jeux de mots. Mais je t'autorise pas à faire des jeux de mots sur Angelo. T'as pas le droit. Le doigt du respect là. Le salis pas de tes jeux de mots sales. D'accord. Je vais voir d'autres horizons. Tu n'emploies pas ce mot-là non plus. C'est qu'Angelo qui a le droit. Tu peux montrer ton tatouage Angelo que t'avais fait au niveau du. Non, donc voilà, bon, blague à part. Tout ça pour dire que pareil dans les vidéos ou pas, ça dépend. Ouais. Et puis voilà quoi. Bah merci. Regarde dans les vidéos, est-ce qu'on me voit avec mon sac en train de rentrer dans le parking là? T'allais chercher la voiture. Comme ça. Ouais, l'envoi de. Genre comme ça, genre bon bah salut hein, Jérém. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est. Si tu faisais Ichiban Paris, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait, mais. On aurait des scènes un petit peu plus. Bon, par contre, faut que j'aille, sinon je vais payer encore plus cher. Ça marche pas. Écoute, merci d'être venu de ta banlieue lointaine. Voilà. On va filmer un serrage demain et tout. Ah, que c'était sympa. Genre un peu Clinton et en fait, quoi. Je cherchais des exemples. Ouais, c'est pas obligé. Hein. On est posté, tu vois, devant le truc là, protection civile. Moi, je suis investi d'une mission, je suis là et je protège les gens. Je regarde, tu vois. Tous les gens qui passent, je les regarde là, je les mate comme ça bien, je les fixe et je les protège, je les surveille. Parce qu'il a un sens vraiment de la mise, de sa mise dans le décor, de la mise en ambiance totale. Mais bien sûr, tu mettras pas ça au montage parce que c'est trop chum là, c'est ce que je viens de dire. Non, mais je vais être le gardien Simon, quoi. T'emmener dans sa voiture avec le triangle derrière, quoi. Ouais. Donc c'était plutôt sympa, bon, j'ai passé une après-midi sympathique. Ouais. Tu demandes avec la personne en face, c'était bien ou c'était pas bien, preuve devant tous les internautes. Non, c'était pas bien, merci.